Hello everybody and welcome back to my channel. Ouais, excusez-moi si je ris, hein. Excusez-moi parce que j'ai déjà ri until une personne m'a écrit sur WhatsApp ce matin pour me dire Esperanza, comment se fait-il que tu vends les produits de beauté? Tu donnes les conseils, mais tu n'arrives pas à traiter toi-même tes phalanges. Voilà ça, ça ne me laisse pas. Ça me dépasse dès. Je travaille ça tous les jours. Ça a beau évoluer, mais ça me dépasse. C'est ma part de talon d'Achille. Je n'y peux rien. Voilà. On ne va pas se leurrer. On ne va pas se voiler la face. Je ne vais pas mettre des filtres, des make-up, des ceci pour venir paraître parfaite à l'écran. Non. Je vais montrer. Comment tu sais même que mes phalanges sont noires? C'est parce que j'ai fait des vidéos où j'ai montré ça comme ça. Si je voulais que tu aies l'impression que j'ai des phalanges parfaites, je l'aurais fait aussi. Il y a des personnes qui mettent le make-up jusqu'au doigt pour faire des vidéos. Peut-être que vous ne savez pas ça. Il y a des personnes qui ont une lumière genre vidéo de Hollywood là, qu'elles mettent à l'air comme ça avant de faire des vidéos. Il y a des personnes qui je vois là ça, regardez bien mon visage là. Il n'y a pas de make-up. Je ne mets que le rouge à lèvres. Et à la rigueur, le noir sur les yeux, ce matin, j'en ai même pas mis. Je ne vais pas me plier en quatre pour faire croire aux gens, pour montrer une image que je ne suis pas. Vous allez me croiser dans la rue, non? Quand je vous aurai montré sur YouTube que mes phalanges sont parfaites, vraiment, je suis propre de la tête aux pieds, aucun défaut. Quand vous allez me croiser dans la rue, je vais dire quoi? Quand on va fouiller la fripelie ensemble au marché là, et que mes doigts sont en train de toucher la fripe comme ça, je vais dire quoi? Et puis aussi ces autres personnes qui m'écrivent pour dire « Oh, il faut encore que tu t'éclaircisses, il faut que tu augmentes ton genre, parce que quand on vend les produits, il faut être très clair pour montrer aux gens que les produits marchent. » Bah, vous n'avez rien compris, je ne vends pas les laits composés, moi. Désolée, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je n'ai pas l'intention de prouver aux gens que « Oh, mon lait composé, t'es métis, si vraiment ça marche, hein? Si tu achètes ça, tu seras comme moi. » Je n'en ai pas besoin. Ce qu'il y a dans les boîtes là, c'est Supreme White qui fabrique, c'est QI qui fabrique, c'est HT26 qui fabrique, c'est Asante qui fabrique, c'est Faire un Lovely qui fabrique, c'est telle maison ou telle autre maison qui fabrique, c'est pas Esperanza qui fabrique ça. Attendez, quand je vais fabriquer un truc qui s'appelle Esperanza, alors j'aurai quelque chose à vous prouver. Mais pour l'instant, mes phalanges ne me laissent pas, je travaille ça tous les jours, je ne vais pas faire semblant. Et curieusement, il y a des personnes que j'accompagne qui ont des phalanges noires que j'accompagne et elles n'ont pas plus de problème. Là, c'est fini chez elles, mais pas chez moi. Va aller savoir. Je les ai noires comme ça depuis, même quand j'étais noire d'ébène. Donc voilà. On n'est pas là pour le paraître. Vraiment, ça ne donne rien. On gagne quoi? Et puis, bah, quand on me demande, éclaircis-toi encore, fais un peu genre t'es métisse pour que les gens voient que les trucs marchent. Pourquoi je devrais devenir métisse? J'en ai pas besoin, même mon niveau, si je trouve qu'il y a ça beaucoup. Si je pouvais même perdre une teinte pour rentrer légèrement en arrière, ça m'arrangerait. Dans le fond, j'aimerais juste être caramel, café au lait, si vous voulez tout savoir. C'est juste que ah, j'ai utilisé certains trucs, ça y a dépassé la dose, je vais faire comment. Donc voilà, chacun décide selon ses objectifs dans la vie et à ses risques et périls. Il y a des gens dont le teint clair, il y a des gens qui doivent être clairs pour garder leur foyer, je ne sais pas si vous savez ça. Il y a des personnes qui doivent être super claires pour nourrir leur ego, des personnes qui ont un filtre affectif à zéro. Il y a des personnes qui doivent être claires pour garder leur poste au boulot, je ne sais pas, hein, pour vous. Chacun sait la raison pour laquelle elle est marron, elle est noire, elle est claire, elle est métisse, elle est transparente. Chacune de nous a ses raisons. Donc, je ne vais pas me devenir métisse ou transparente pour vous montrer à vous, les clientes, que les choses marchent. Non. Si vous voulez essayer un truc qui est fort, essayez. Si vous voulez réparer, réparez. Si vous voulez maintenir, maintenez. Mais ne prenez pas ma peau comme modèle, comme exemple. C'est pas une bonne manière de s'éclaircir, de prendre les autres comme les autres. C'est pour ça qu'on vous trompe tous les jours. C'est pour ça que les vendeuses de lait composé passent le temps à utiliser les filtres, passent le temps à utiliser des lumières fortes, passent le temps à mettre du make-up, passent le temps à faire des trucs. C'est pour vous renvoyer l'image que vous voulez voir. Si vous étiez plus souple avec elle, peut-être qu'elle vous dirait la vérité souvent.
Moi, je ne vais pas essayer de faire... Quand j'ai envie de sortir en babou, je prends 50 là, je sors ma chose. Quand j'ai envie de sortir avec les cheveux en l'air, je sors. Parce que je ne suis pas venue monter sur YouTube que j'étais parfaite. Du coup, je n'ai rien à cacher, moi. Donc, voilà. Donc, de grâce, ne m'écrivez plus ce genre de message. Comme quoi, il faudrait que je m'éclaircisse davantage. Comme quoi, il faudrait que mes phalanges soient parfaites pour que je parle. Non. J'ai ce défaut-là et voilà. Je le montre au monde entier. C'est pas comme si on peut pas manger le cuir après, en présence de mes phalanges. C'est pas si moche que ça, mais c'est quand même moins clair que les autres parties de mon corps. Donc voilà, je travaille ça. Hein. Le jour où je vais réussir, je vais vous dire. Ça m'empêche pas de vendre mes savons, de vendre mes laits, de vendre des trucs que je distribue juste, que je fabrique déjà pas. Bon, voilà ce que j'avais à dire ce matin. Donc vraiment, que l'ignorance ne nous fasse pas dire n'importe quoi. On n'est pas obligé d'être blanche avant de vendre des produits cosmétiques. On peut être noir d'ébène et vendre des produits éclaircissants. On n'est pas obligé d'essayer sur notre peau. Il y a beaucoup de reviews sur YouTube. Il y a beaucoup de reviews sur Google. Il y a beaucoup de reviews dans votre entourage pour savoir que si ou ça marche. Pas besoin d'utiliser ça sur soi-même toujours. Il y a beaucoup de trucs que j'utilise, mais je ne vais pas aller utiliser glutathione blanchissant, rendant transparent juste pour vous faire plaisir. Hein. I'm just sorry. Mais j'ai ma santé aussi à moi à préserver. Hein. Donc voilà. Si vous voulez devenir blanche, je vais vous aider à devenir blanche. Mais ne me demandez pas de devenir blanche avec vous en même temps. Ce n'est pas mon choix, c'est votre choix et pas le mien. Si vous voulez aussi noircir, non, ne m'amenez pas avec vous. Je n'ai pas envie de devenir noir, noir, noir. J'en ai pas envie. Le jour où j'en aurai envie, je sais exactement quoi faire. Il suffit que j'arrête mon Supreme White tout simplement et que j'arrête certains savons, bah, je vais rentrer à la case départ. Quand j'en aurai envie... Je le deviendrai. Si vous rentrez même dans mes vidéos du début, là, vous verrez que j'étais bien plus noire que maintenant. Ça veut dire que je sais comment rentrer à la case départ et je sais comment lancer. Mais de grâce, je ne veux pas être plus que ce que je vois déjà là. Je trouve que c'est déjà même trop. Ok, likez la vidéo, partagez, insultez-moi, laissez vos commentaires, crachez votre venin si vous voulez. Je reste égale à moi-même, Esperanza Lily. Really.